René Cassin, diplômé en droit, 27 ans en 1914, mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, blessé au combat. L'investissement de René Cassin a abouti à la loi du 31 mars 1919. Cette loi crée le principe de droit à la réparation pour toutes les victimes de la Première Guerre mondiale. La République, reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la patrie, proclame le droit à la réparation due. Article 1er. Aux militaires des armées de terre et de mer affectés d'infirmités résultant de la guerre. Aux veuves, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France. Merci, c'est bien d'avoir un accompagnateur. Remercie plutôt Cassin.